VOD. On est sur Elden. Ça va, vous? J'aurais dû prendre de l'eau, ça me gratouille. Il m'en reste un peu ou pas? Tout petit peu. Après, je peux continuer jusqu'à trouver un site de grâce au pire. Parce que bon, ici, c'est pas encore les souterrains. Allez, voilà. Saoule ses mains! Je déteste. Je vais aller là-bas aussi. Ça lui a rien fait. Non, parce que je vise pas en fait. Ah mais y a du monde! Mais putain, vise-les! Vise-les toutes! Putain, cosplay Obélix. Oh mais ça va, eh! Arrêtez un peu, parce qu'Obélix c'est un mec super fort de base, donc en soi ce serait malin comme cosplay. Non mais où? De toute façon ici c'est toujours voir ce que j'explore. Ah, c'est la grosse main balèze qu'on a vue tout à l'heure. Oh, son petit cul de main, il a rien pris. Un coup nul pour rien. Ouais, j'ai plus d'eau royale. Elle est en train de raid, évidemment, hein, d'hab, de toute façon. Et plus que ça, le type. Bordel, plus de mana. J'ai pas allé de main morte. Ah MDRRRR. Incroyable. Il semblerait que j'ai du doigt de thé. J'ai du seul problème, mais évidemment. On va te donner un coup de pouce, oh, putain, le lourd terre. Ok, j'arrête là. C'est bon, t'as épuisé le sujet? On avait tellement peur avant de... J'en avais tellement peur avant de ces mains géantes. Depuis, je peux leur envoyer du feu. J'ai compris comment les esquiver quasiment à chaque fois. Je reste hyper zen. C'est vrai qu'elles m'ont vraiment fait péter un câble dans... Dans le manoir de Caria. Insupportable. Puis bah elle respawn quoi. Oh le loot. Même quand tu tues les grosses, tu sais que tu vas te les retaper si tu meurs et c'est quand même assez assez relou. Ça, j'entends que ça brille aussi. Ah, de carrière easy. Bah, le manoir de carrière était pas dur, hein. C'est que moi je trouvais qu'elles étaient super chiantes. Oh putain, les trucs qui rampent. Je trouvais que les mains étaient super chiantes. Tu prends un item, je me barre. C'est vrai que tu trouves l'épée. Non, mais je sais, je l'ai fait. Mais moi, je fais toujours les mobs. Hein. Je fais pas du. Ah, je prends et je me barre. Ou alors, je fais les mobs après, dans ce cas. Mais je fais toujours les mobs une fois, évidemment. Et pas le faire à chaque fois, mais au moins une fois quand même.
Y'a rien qui me tombe dessus, je suis très étonnée. Ok. Je suis obligée de passer par les Charles. C'est vrai que quand tu tues les mains, t'as des pierres de forge. Quoi, les esquiver, c'est pas tout worse. Bah, pour le coup, les mains donnent des loots vraiment intéressants, ouais. Et je pense que c'est un bon spot de farm, d'ailleurs, le manoir de Caria, si t'as besoin de certaines pierres. Bon, après, est-ce qu'il y a vraiment besoin de farmer les pierres à ce point-là? Je sais pas, mais peut-être. Bordel! Je suis sûr que je peux passer, là, sérieux. J'entends que ça brille. Vas-y. J'entends ici que ça brille. Ah, c'est toi, bordel. J'entends pleurer aussi. Ah, bah des éclairs, évidemment. Oh non, ils sont pleins de pus, ils sont trop dégueux. J'entends encore. Ah là, je vous entendais. Bon, y'a quoi ici? Avec le loot, t'as donné un sacré coup de main. Je ne peux pas m'arrêter! Oh bordel, t'es pris dans la... dans le cercle... infini. Dans le cycle plutôt infini des blagues sur les doigts et les mains. C'est pas possible, tu arriveras au bout, tu arriveras au bout. Une mana. Je voulais descendre dans le puits, mais je veux tout looter avant. Putain, il y en a aussi ici, mais... Partout, quoi. Il y a trop de loot partout, JPP. Bon. Voilà. Oh, un chenille ? Je l'ai pas eu. Ah bah c'était ici. Un arc unique. Ah ok. Ouais d'accord, cimer. Je sais pas, je m'attends. Enfin les arcs uniques, vu que je n'utilise absolument pas les bonus des boss. Voilà. Je les ai quoi. Je suis contente de les avoir. Après, je pense que quand t'es en New Game Plus, tu dois plus utiliser ces trucs-là. Mais j'ai l'impression que dans le jeu de base, c'est quand même pas ultra nécessaire. J'ai l'impression. Peut-être qu'une impression fausse. Comme Pharah Fawcett. Y'a rien d'autre à voir ici? Je vais m'en aller. Et bim. C'est ceux que j'avais déjà tué. Faut que je me calme, faut que je me calme. Bah, j'ai déjà tout tué ici, ok. Ça va, ça va. Et là, il y a quoi? Ah, je suis pas allée de ce côté-là, je crois. On y va. Beaucoup de loot, il y a vraiment tellement de choses ici. Capuche de coupable. C'est un peu un jugement hâtif quand même. Salut Padern, ça fait longtemps? Mais oui, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu deviens-tu? Une porte à droite dans le puits? Oh, j'ai pas vu. Really? Ah oui, je suis pas allée là-bas aussi, je peux pas continuer ici. Vous trouvez que je suis un peu dissipée ou pas? On m'a déjà dit ça, mais moi je sais pas. Alors.
On retourne dans le puits. Idiot. Oh non, ça réapparaît, ce connard! J'étais sûr qu'il réapparaissait, mais je suis dégoûtée. Je te déteste, mec, en fait. Alors? Alors, où c'est? Là-bas? Là-bas. Officiel. Ah, c'est Lox la meilleure. Oh, ça, on le savait. On me fait sursauter. Merci, c'est très gentil! Et très sincère. Tu es pas dissipé, juste, tu te concentres pas. Merci, j'avoue. Alors, mais carrément, oui! Quoi? Eh, je trouve que ça m'accuse, hein. Arrêtez de me traiter. C'est passé en mode random, tu fais nope. Mais non, mais j'explore, il y a trop de trucs à voir, ça va là. Oh, ça juge un max. J'y connaissais rien. Il est où le puits? Il était là? Attends, il était où le puits? Genre, j'étais là. Il était là, non? Pas du tout. Redescends. Ah! Bah le puits, faut que je prenne le puits, il était... J'ai dit où le puits? Ah, il était pas ici en fait. Il était pas dans cette zone. Attendez, on va recharger les popos quand même. Et la vie. Non, pourquoi tu dis ça? Ouais, il fait super mal, mais tant pis. Il descend, je prends le tunnel. Où tu ressors du tunnel, tu descends dans le puits. Ah oui, c'était là! Ouais, je me souviens totalement. Ah, il y a du loot ici. Ah, ça tremble. Ah non, c'était pas là du tout. Il m'a pas vu, il m'a pas vu. C'était pas là du tout. J'ai pas du tout écouté. Non mais te mêle pas, mêle-toi de ton cul toi. Définition de tout mettre à côté. Je vais pas. Ah, il me fait quand même trop mal. Non mais c'est bon. Non mais il va vraiment rester un putain de PV. Allez, je suis obligée de faire ça. Bon, ça passe pas, ça garde. Bon. Alors quand elle explore, elle explique, elle donne son avis. C'est mignon, c'est ça explorer. Ça tire à blanc. Et alors? Ouais, bah je vais voir Dilo, écoute, elle stream là. Je suis pas Dilo, ça vient peut-être de ça. Trop dur cela pour moi. Trop dur. Il résiste à ma magie trop bien. Ouah, 61 000. Plutôt à dissiper, explorer tout dans. Explorer tout dans tous les sens. C'est bien aussi pour apprendre les zones. Et c'est plus fort que moi, en fait. Ouais, un truc qui est intéressant, j'y vais. J'avoue. Et dans ce jeu, il n'y a que des trucs intéressants.
Je récupère mes runes par contre. Donc voilà. Je m'en sors, c'est fou. Bah oui, t'as du feu. C'est normal en fait, ils sont ultra sensibles au feu. Donc toi normalement tu les éclates. Petite question, les mains c'est la même licence que les Dark Souls. C'est les mêmes... C'est From Software, donc c'est les mêmes développeurs effectivement. Mais c'est une autre licence, c'est un autre univers. Même si ça ressemble énormément, nous en conviendrons tous. Super, j'arrive pas à le viser. Allez. Donc c'est toujours un... C'est toujours des jeux où tu meurs un milliard de fois, oui, en gros, oui. Mais il est moins pire, quand même, en étant tout à fait honnête, il est moins pire que Dark Souls, par exemple. Après, pour les autres, je pourrais pas comparer parce que je connais pas assez. Mais même si t'as des boss qui vont te faire hurler, hein, forcément. Déjà, c'est le cas même dans des jeux qui sont pas des Souls. C'est quand même un Die and Retry un petit peu moins pire quand même que les Souls. Voilà, voilà. Du coup, c'était pas ici. Attendez, je fallait que j'aille au puits. Mais c'est où le puits alors si c'est pas dehors là? Faut que je traverse le tunnel là-bas. On y va. Je ferai ça plus tard. Hein. Sensible au feu, dégâts physiques. Ouais. Ah non, sinon c'est pas là. Je peux pas monter ici, je pensais que je pouvais. Non mais toi, gage D. Là, eux aussi à la putréfaction, donc je leur colle un souffle de dragon. Une arme de feu au cac. En roulade, sauf si je time mal mon esquive, ce qui arrive. Normalement, je vais passer... Putain, j'avais pas vu, je lisais le chat. J'ai pas presque simplement... Ouais, ouais, ouais. Mais moi, c'est parce que vraiment, je leur fais zéro dommage. Avec tout ce que j'ai, y'a rien qui leur fait des dommages. Faudrait que j'ai une arme spécialement pour des mobs comme ça. Ce serait pas déconnant en soi, mais je suis une feignasse. Ok, tu peux pas trop t'amuser. Bah, le cac, c'est de toute façon des dégâts magiques aussi. Ce qui fait que, bah, vu que lui est de toute façon résistant... Il n'y a pas beaucoup de dégâts physiques. On va pas ouvrir la porte, c'est rien d'y retourner. Oh, mais je le retrouve plus, ce putain de puits, ça rend dingue. Parce qu'à côté, il faut parler au coprophage. Oh, mais je veux avoir les... Ah oui, j'étais allée là, peut-être. Moi, je veux avoir les trucs de grâce. Vous avez fait, tu vois. C'est pas là. Ah oui, il y avait lui. Ah oui, c'était là. Ok, ok. Je me suis rendu compte que j'ai fait ça. Allez, bonne nuit. Demain, levé tôt 8h30. Bisous. Ouais, je devrais faire comme toi. Hein. Je me lève à peu près à la même heure. Donc je devrais faire comme ça. Mais en ce moment, je m'endors tellement tard que... Petite de grâce là-bas. Mais j'y vais quand même. Voilà, et bisous. C'est ici le puits. Te
retourne demain, perso, je me lève pas avant 13h du mat le week-end. Bah, c'est que le samedi, c'est pas forcément un week-end pour tout le monde, en fait. Tout simplement. Et puis bon, si tu prévois un truc aussi, il y a un genre, je sais pas, tu as un parc d'attraction, t'as prévu hein, un voyage, un truc en famille, je ne sais quoi. Mais moi, c'est... non, c'est que je travaille, juste. Voilà, voilà. De l'autre côté, en haut des marches. Mais sérieux ? Mais attends, mais je suis allée là pourtant. Putain, je me rappelle pas du tout, ça rend dingue. J'avais vraiment l'impression que c'était beaucoup plus proche depuis. J'ai fait tout ça ? Mais sérieux que ça ? En fait, je me rends trop pas compte de tout ce que je peux faire en discutant. Ça fait réfléchir. C'était là ? Mais c'était pas là du tout. Qu'est-ce que tu racontes ? Un loot là. Un énième que je n'avais pas pris. Ah mais je suis pas loin. Ok, je suis au-dessus. Ok, ok. J'ai Pokémon Go à partir de 10h. Ah c'est le truc Pokémon événement, c'est ça? L'événement Pokémon? C'est là? Ah oui, il est là! Punaise, mais c'est sérieux. Je m'énerve de ne pas l'avoir trouvé plus tôt. Ah, je descends. Oui. Ah ouais, mais je savais pas vu que c'est une porte. En vrai, on comprend, regardez, pour moi, c'est une grille comme ça. On peut comprendre quand même. Il y a ce qui m'a tapé car soi-disant, c'était pour bosser. Comment ça? Bah, moi, c'est pour bosser, oui, hein. En fait, moi, si je me lève tôt demain, c'est parce que je bosse. Après, effectivement, je suis pas responsable de la vie des autres. Désolé, hein. Peut-être très puissante, mais pas à ce point-là. Bientôt, bientôt. J'y travaille. petit stream de 8h du matin samedi. Ok. Bonsoir Bouc. Moi si je me lève tôt c'est parce que je dois pisser. Ah bah ça, ça m'arrive forcément dans la nuit quoi. Mais c'est bien, tant mieux pour vous écoutez. Ravi pour vous. Très chiant de se lever tôt donc c'est bien si vous avez jamais à le faire. Hein. Tout ce que je vous souhaite moi. Je bosse dans quoi? Mais je bosse le week-end dans une animalerie. Et sinon, je suis en dernière année d'études. Si tout se passe bien. Peu de personnes à se prononcer mon pseudo. Bah c'est que je me dis que ça va être un troll et que du coup je vais peut-être devoir ban bientôt, donc autant pas... voilà. Autant... autant pas trop inciter quoi. Ah putain! Oh l'accueil! Oh l'accueil de... Oh l'accueil en figure limificulée. Mais c'est quoi ce truc sérieux? Attendez, je regarde la VAR. Mais quoi? Mais attends, ça s'appelle pas... En fait, ça s'appelle pas un boss. Ça s'appelle un piège de connard, ça. Le jeu qui te, il te fait descendre pile poil dans la bouche du crocodile, en fait. Alors, un, c'est pas un troll. Deux, je m'appelais comme ça avant que ce soit connu. Oh non, mais waouh. Désolé, quoi.
Mais la plupart des trolls sont pas des trolls aussi. Hein. Je m'étonne, ça va. Je... Putain! Ah mais si je vais là, c'est mieux. De 1, je m'appelais Grosse Bite avant que ce soit connu, ok? Pardon. Ça me fait rire d'imaginer la scène avec d'autres mots. C'était où, Sam? Oh, mais j'en peux plus, là. Ça y est, tout m'énerve. Il est sorti par la bite, celui-là. Merci pour le follow! Boukakad. Voilà. Il fallait... Bah, maintenant, je remets, hein. À chaque fois, au lieu de changer de profil, je modifie le profil 1. Vers 14 ans, on a volé un python à Animal Center. Il m'a mordu, mais zéro venin. J'avais une de ses peurs de mourir. Les pitons, effectivement, ne font pas de venin. La plupart des serpents en animalerie, de toute façon, ne sont absolument pas dangereux. Hein. Enfin, ils peuvent te mordre, quoi. Ou t'étrangler s'ils font 3 mètres, mais... Mais voilà. Mais par contre, voler un animal, c'est débile, hein. Désolé, mais 14 ans ou pas 14 ans, c'est, voilà. Bouka, ça va très bien. T'appelles Bouka, okay, je respecte, mec. J'ai pas de problème. Cédric était mon prénom. Cédric Bouka, Ked. Ça se dit Bouka Ced. Ah bon? Bouka, ça va très bien. Ah, Bouka Ced comme Cédric. D'accord, mais putain, mais t'es trop fort! Punaise, j'avais pas pensé à tout ça. Je vais essayer d'aller par là. Non mais, si je vais par là, c'est bien, non? Ils ok, là? Ah oui, ouais! C'est vrai, c'était une idée... Concentre-toi, bordel! Mais non, mais là, il y a des gens dans le chat et tout! Ils disent des mots. Attendez, je me concentre. Ah, il y a des chiens, ils vont me buter! Dégage! Ah! Pas là, les gars. Faites votre truc. Ok. Un monde qui se traîne le plus sur des cycles de Huck. Ah bah... Moi, j'ai toute... Je monte toute ma playlist en live, hein. On se dit pas du tout. Attends aussi un peu, mais non, mais tu parles pas là, tu dis du tout, Dana, concentre-toi, ni ni ni, il m'appelle Sam, ni ni ni. Peuf, t'es tranquille, t'inquiète, c'est pas dangereux, c'est un animalerie. Bah de base, tu voles pas un animal tout court, si t'en veux un, tu te renseignes, et ensuite, comme tout animal, il est doué d'un système de défense en fait. C'est pas vendu sur garantie. Et pour que t'aies un python de 3 mètres, t'as intérêt à t'en être occupé un petit moment dans ta life quand même. Ça me fait nimp, c'est... Comme tout fait... J'avais combien de runes là? J'en avais plein! J'avais genre 1000, 2, 3000. Il se passe des trucs ici! Mais non, il se passe rien! Je suis à chier, c'est tout, c'est... Ah, faut que je passe par où, Sam? Pardon, j'arrête de crier. Là. Je lis le message.
Ta règle? Non, c'est ma gourde que j'ai jartée et qui était vide et qui est en ferraille. Prêtre m'a dit un jour, pourquoi demander à Google quand tu peux demander à Dieu? Je suis pas trop certain de demander à Dieu de me trouver du porno avec les nains. Mais j'ai compris que c'était une blague, mais en vrai, quelqu'un a déjà dit ça un jour dans sa vie. Genre, il y a vraiment quelqu'un qui a dit... C'est vraiment une affirmation possible par quelqu'un? Pourquoi demander... Enfin... T'as genre 80 000 runes? C'est vrai? Putain, mais pourquoi j'ai pas level up, là? Vas-y! De grâce en bas. Oh, il y a le réprouvé. Mais dis pas là où il... Dis-moi le nom. Là? Là? C'est celui-là? Non. Balcon de l'avenue? Là-bas, tu ne sautes pas. Le mec moche qui porte un masque. Ah, le mec moche, ouais, d'accord. Alors attends, c'est le balcon ou c'est l'église capitale? C'est le balcon, c'est l'église capitale. C'est le balcon, c'est l'église capitale. Merci, YOLO. Comment ça va? C'était pour de l'argent. On le vendait moins cher à un gars qui comptait l'acheter. Ça craint de ouf, en fait. Du recul, c'est pas bien. Mais ça craint. D'où tu... On vole pas un animal encore plus que n'importe quoi d'autre, hein. C'est comme voler un enfant pour moi, c'est horrible, hein. Salut Mars, salut Jolo. Ça va et toi? Ça va super, je viens de perdre... Je viens de perdre l'équivalent d'une heure de jeu, là, c'est... C'est un moment émouvant. Ah oui, il y a le mec moche, il est là. Donc là, je descends, c'est ça? Bonsoir, bonsoir. Je vais là, c'est ça? Salut Jet Vivi. Des hommages, pas de sous. Ah, il y a Shiny. J'ai eu. Voilà. Comment ça va, ça... Vous étiez sur quoi, du coup? Parce que je vous ai déjà demandé comment ça va. Je vais là, hein. Non, je vais pas là. Mais il est où, le putain de puits? On peut plus. Il était par là. Non, pas du tout. Je vais voir si par là, il n'y a pas un raccourci. Peut-être un raccourci, non? J'arrête pas de poser des questions à ça, vite d'en avoir trop marre. Plein de pour changer. Oh, trop cool! Vous êtes en mode bac à sable et vous faites... Enfin, tu es en mode bac à sable et tu fais ce que tu veux ou pas du tout? Mais putain, je fais ce que tu fais! Je fais ce que tu fais! Oh là là, je commence à péter un câble. C'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, on le savait. Bienvenue aux Raiders! Merci beaucoup, c'est adorable! Mon premier bac à sable. Ah, nice! Bah, bon courage, parce que c'est pas simple. Une fois dans une tunnel, tu ne sautes pas, je le redis, tu ne sautes pas. Il y a trois mobs énormes. On n'a pas besoin d'affronter. Ouais, mais non, mais. Mon problème, c'est pas ça. Mon problème, c'est que je sais plus comment l'atteindre. J'ai des problèmes, Sam. Je sais plus comment l'atteindre. Trash mob selon que t'es intéressant, des sacs à PV. Ok. Un site de grâce en contrebas vers la gauche. Donc faut vraiment courir à donf. Buffant contre les dégâts. Et tu ne sautes pas direct tant qu'il soit juste sous toi. Fais-moi confiance, bordel. Tu bloques juste le site de grâce déjà. Oui, mais là, je... En fait, là, je suis encore perdu là, tout de suite, maintenant. C'est que là, j'ai déjà pu où aller? Je suis déjà perdu? Ah non, faut que je descende ailleurs, peut-être. Il va péter un câble. Oui! N'hésite pas à mettre la chaîne de Marv et la chaîne, si tu peux, de YOLO. Tu as peut-être fait. Merci beaucoup, si c'est le cas. Merci beaucoup, petit, petit Infernalo. Oh, faut peut-être que j'aille là. Oui, mais le bout du tunnel, en fait, c'était un cul-de-sac. C'est ici qu'il faut que j'aille, je crois. Redescends. Mais non, mais c'est ici, c'est pas l'autre côté. L'autre côté, j'ai rien. Déjà fait. Merci, t'es trop un beau gosse. Tu vois, voilà. À quelques gants, t'es monia. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-ci?
Voilà. Et là, je remonte, et après, j'ai un puits. Et après, je descends le puits, après, je continue. Après, il se passe des trucs. J'ai perdu 40 000 runes, 80 000... perdu 80 000 runes. J'ai mal aux dents à force de... à force de... Alors, ensuite... ensuite, je vais là. J'y paie trop paie. Tu ne sautes pas. D'accord, je saute pas. Mais j'ai pas sauté tout à l'heure, j'ai pris l'échelle. Voilà. Là, on est d'accord que je peux descendre. Hein. C'est ok. T'as vu sa biche? Ah bah, ça farte, écoute. Farte un max. Éclater ma gourde. J'ai tenté, mais bon. Combattu ou pas? Pour? Oh mais bordel, y'en a un là! Hey! Il y a des trucs ici! J'avais déjà vu. Winds of Pair, God Destroy, God X. Ouais, ouais, non, mais hier c'était trop pourri là. Ma session de Switch Sport, j'ai perdu tout mon skill. En une semaine, pouf, envolé. Tic-tac, bam. Splik-splik, splouk. Je crois qu'on m'a jeté un sort. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où les types? Ah! Je vais tomber. Ok. Ok. Bah si, après je vais pas en bas, je vais où du coup? Tu te montes toi. Ta mère te grossit. Ah ouais? Une taille un peu au-dessus pour être tranquille quoi. Je peux plus faire de bowling, passer 40 ans, le bras peut se déboîter à partir. Partir avec la boule. À ce point? Quand même. Moi j'avoue, je lui fais rien. Moi j'aime pas du tout le bowling, mais dans les jeux c'est cool. Enfin, dans Switch Sport c'est cool en tout cas. Voilà, comme ça je fais tranquille. Un escargot tirant sur... sur le bidou. Mais regarde aussi mon visage. Hein. En plus, elle me sert à rien cette face là. Hé, hey, viens là, tu me saoules. Non mais please. Voilà, il restait qu'un coup quoi. Trop belle, ah merci. Pas besoin de les affronter. Oui bah celui-là si. Il m'a tué trop vite tout à l'heure. En plus comme ça je peux explorer. Tout cassé. De toute façon, s'il y a... c'est pas grave de tuer des sacs à PV quand j'ai plein de mana. Ok, on a vu pire. Hein. On sac à PV, je veux dire. Impossible d'ouverture. De rigoler. Tes runes. Ah, mais c'est mort, les runes, elles sont perdues. Voilà, mes runes là de tout à l'heure, c'est celles. En fait, je suis morte avant de les récupérer, donc c'est dead de chez dead en fait. C'est giga, giga total dead quoi. En fait, c'est... et voilà. Merci de me le rappeler, Infernal, j'ai juste, c'est gentil. Mais voilà, si des grâces en face, ça c'est bien ça. Oh, il y a un truc. Descends.
Waouh, ça a l'air cool ici, ça a l'air trop cool. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait plus de plateforme en fait. De toute façon, les mobs, je vais devoir les faire plein de fois vu que je vais explorer. Non? Attends, vas-y, vas-y. Ravi, on voit plus ce qui se passe. Bidou problème. Ah, petit bâtard! Pas du tout fait exprès de faire ça. Il se retombait. Loser. Ah! Quel connard, va! Arrête. Oh, c'est vrai qu'elle a l'air giga chiante cette zone, j'avoue. Ok, t'es un peu foufou, toi. Ils m'ont mis du saignement, ils m'ont éclaté. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais une micro-quéquette, mais non, j'ai juste du bide. On lit des trucs. Explo quand on aura la clé du coprophage. Bon, d'accord, je vais voir le coprophage alors. Je vais voir d'abord l'autre là, je vais voir Corin là. Corinne. En plus, il n'y a pas de truc autour, ça me rend dingue. Il a fait une lock ce mob. Oh ça va hein. Il a fait une lock. Arrêtez d'essayer de d'être... Arrêtez d'être... d'avoir des bonnes punchlines contre moi. Arrêtez. Tu sais que Diablo Immortal est sorti. Oui mais ça ne concerne que peu les Belges... Les Belgiens que nous sommes. Bon après c'est aussi qu'en vrai Diablo Immortal j'en ai un à péter. Mais mon copain voulait tester bon, par un VPN, pas trop moyen. Et parfois, quand ils détectent que tu as un VPN, et ben ils sont un petit peu deg. On avait tous ce bonne game, à plus et loulou. Salut Tia Vivi, merci beaucoup. Très gentil, bah à plus à toi. Je veux rien dire. Des bisous. Et n'importe quoi, désolé, je pète un câble. Belgique est une terre hostile. Hostile au pay to win. On va dans un cassos. Cousin chez lui dans son 20 mètres carrés pour le week-end. Il y a du rap Sri Lankais. Ça sent shit à fond. Mais c'est pas la première fois que tu me dis ça. Il est 1h30. Les mecs commencent à foutre le bordel. Ouais. Bon, ouais. Je vis dans une rue assez agitée le week-end, donc je comprends. Merci Jadjili. J'aime bien dire Jadjili, c'est très dynamique. Merci pour le follow, des zoubis, bonne nuit. Tiens, le masque d'or. Pour votre description, cela ne peut être que le masque d'or en personne. Bien sûr, je suis certain qu'il serait dans les parages. Béni soit l'ordre d'or et les rêves bienveillants. Hein? Quant à vous, mes plus sincères remerciements. Non mais je vais pas donner un bréviaire, si? Faut que je donne le bréviaire des principes d'ordre d'or, de l'ordre d'or, je crois. Et l'autre je le garde pour quelqu'un d'autre, je crois. Je sais pas, je donne. Ok, bisous. Voilà. On
ensuite. Enfin, la tortue, mais la tortue m'intéresse plus en vrai. Parce que c'est une tortue déjà, donc forcément ça donne du swag. Y'a plus personne à la table ronde. J'en doutais ça. Les autres c'était plus fort que moi. Salut! Qu'y a-t-il? Ah, je vais montrer le breuvage. Breuvage, c'est bien ce que je crois. Satan et Sylvis, je parie qu'il fomente encore quelque chose. Je ne m'imposerai pas. Je vous laisse faire ce que bon vous semble. La table ronde ne suit aucun code à proprement parler, mais laissez-moi vous poser une question. Allez-vous vraiment vous mettre aux ordres de ce marionnettiste tordu? En vrai, j'ai pas envie. Ne préférez-vous pas me donner cette potion et trouver un moyen de duper cette crapule? Franchement, ouais. Ouais, tiens, je donne. Et voir Sylvis. Mais ne lui révélez rien. Contentez-vous de lui annoncer que vous avez réussi à convaincre votre victime de boire la potion comme prévu. Et qu'il ne sache absolument rien. Il est si imbu de sa personne qu'il n'osera de rien. Son inévitable démonstration d'arrogance sera certainement plaisante à voir. Ok, ça marche. Bah, tchuss, mon bro. C'est un truc que je devais avancer depuis longtemps. Ensuite, hein. J'avais pas fait ça non plus. Bah, en fait, je sais pas à qui je dois donner. Le nom des PNJ, je les retiens jamais, alors... Non, je sais pas. Il y a eu que Profage déjà. Ah, il était là. Attends, il était là-bas. Pas du tout. Mais j'ai fait genre, je savais. Hein. Non, pourquoi t'as exploré de fou? En fait, t'as zappé les quêtes de Raya Lucaria. J'ai pas eu de quête à Raya Lucaria proprement dit, à part un mec qui j'ai donné ce qu'il voulait faire, et puis voilà. Et puis voilà. Non, c'est pas là. Hein. Non, mais si, je me perds JPP là, putain. On est trop marre. Non. Wait. Attendez. Enfin, tu me parles, vieux tas de merde. Pardon. Sens sur vous l'odeur d'une souillure encore jeune. Apparemment, mon semi est prêt. Attends. C'est comme ça que tu l'appelles, toi? Ce fut un répit. Allez, libérez-moi, l'homme charnel. Piégé dans les égouts sous la capitale. D'accord. Je pourrais vous tuer et souiller votre cadavre. Ainsi, la souillure ne ferait plus qu'un avec vous. Tu devrais vraiment arrêter de te la péter. Salut, Glandman. J'aime bien les petits yeux qui débarquent sur le chat, je trouve ça trop mignon. Bon, faut que j'aille voir l'autre nul. Putain, j'ai trop de quêtes, j'en ai trop de mal. Alors. Ah non, mais je retourne tout là-haut, là. Ah, c'est pas là. Là. J'y vais. De ce côté-là. Ah merde, je suis pas du tout au bon endroit. Ici? Ah non, pas du tout. Mais y avait pas un truc plus proche? Je croyais que y avait pas un punaise là où on a vaincu le boss là, la nana à cheval. Je pensais que là je pourrais le faire. Hey Guna, what's up? Salut, salut. Ah, salut Blade! Ça va, mon bro?
T'as pas l'air en forme. Ah, tu m'énerves! Arrête! Oh! On tue, saoule? Attends, je prends une petite popo. Ok. Je vais peut-être prendre, remettre mon armure d'avant. Oh, mais c'est chiant! Ne les bute pas. Mais pourquoi? Oh là là, vous. Et en fait, faut que je réponde aux ordres de Sam. Voilà, c'est ça mon gameplay aujourd'hui. C'est passionnant. Attendez, j'ai eu un shiny. Attendez, j'ai eu quoi? Outout. Oh, j'ai un outout. Oh, t'as un cruel shiny. Kingler, c'est qui Kingler? Je vais mettre là. Alors. Mais pas ce fest. Oui, bah dans ce jeu-là, please. N'importe Nawak. Hein. Ouais, c'est vite, finis ta quête avant. Voilà, il va m'attaquer. Oh là là, comment on s'éclate, hein. Je peux prendre ma monture, ça fait tellement longtemps, j'ai oublié comment on fait. En fait, c'est dingue, c'est Animal Crossing, totalement. Complètement pareil. Zéro différence. Je pense que c'est la comparaison la plus proche qu'on ait jamais faite, en fait. Hier j'étais à un festival, ce sera tout le week-end, donc je suis trop content. Nice! Trop cool! Quel type de festival? J'ai un chini mingal trop chou. Oh, trop chou! Merci, merci, Lévis. Galurin de précepteur. Robe de précepteur. Gants de précepteur. Pantalon de précepteur. Donc vraiment ça? Ça, je pouvais. Ça pouvait pas attendre, quoi. Fait que je fasse ça maintenant. Invoque l'esprit de la servante de l'augure des doigts. Avant que l'homme. Ah, je peux invoquer l'homme, genre. Pourquoi je ferais ça? Je me rappelle plus ce qu'il y a là-haut. Diamant, en fait. Bah voilà! Il va m'attaquer. Bah là, là, je lui ai filé aucun... Non, non, je lui ai fait aucun coup d'épée, là. Il est en rouge, le pseudo. C'est-à-dire que le Pokémon... C'est-à-dire que le perso t'attaque forcément, que tu le veuilles ou non. Et la preuve, là, il m'a attaqué. J'ai dû fuir. Je lui ai pas filé de coup d'épée. Tu peux buter quand tu veux, il est pas censé être mort. Bon, voilà, bah plus de problème, alors. Oh là là, tout ça pour rien, quoi. Avec des chanteurs-chanteuses, oui. Genre les boss, c'est tes voisins. Ouais, je sais pas comment sont tes voisins, vu que t'as pas de maison, quoi. Mais ouais, tout pareil. Bon, tu es Blade. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, Gweno, quel type de festival pour quel type de musique, quoi? Genre festival techno, festival pop, festival rock, festival folklorique, voilà. Je ne sais quoi. Ou alors simplement avec différents artistes sans qu'il y ait de points communs. Oh bye! Mais en fait, il est là, son cadavre, non? Ah non, j'en sais rien. Bon.
De tout, ok. Ouah, je fais trop mal. Oh merde. Il va être trop dur. Sur le pont, là où t'avais vu le mec avec le masque d'or, la vieille des doigts. Mais je sais même pas qui c'est le masque d'or, je comprends rien avec cette histoire de masque. C'était il y a sûrement 3 mois. Faut arrêter de me dire là où t'as vu. Non, je n'ai plus rien vu. Tu dis toi-même, t'as beau me regarder jouer, tu oublies. Bah pareil. Mais sauf que moi, je me regarde jouer, j'oublie. Non mais j'ai un peu plus là. Tu te rappelles de Marcus, le gars que t'avais vu, t'avais fait ça et tout ça. Il était sur le pont ouest, tu sais. Et puis là il te dit un nom de map que t'as jamais vu. Et tu vois ce gars là, il est super important. La semaine dernière, pas du tout. Alors le gars du pont, si c'est bien celui que je pense, c'était il y a au moins un mois. Ah, c'est un Diane Retry Glandman, hein. Si tu perds déjà la patience, c'est que c'est pas fait pour toi. Déjà vu Plaid. Ouais, ça va être long, hein, parce que je lui fais vraiment pas mal. En fait, je lui fais plus mal si je le spam, mais faut que j'arrive à le viser. Ouais, j'ai pu réussir à le viser là. Oh, non, 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 pas de freeze maintenant! Putain! Mec, tu tires des freeze pour t'approcher de moi, c'est naze. Oh, putain, il me tue en 2 coups quoi. J'ai vraiment pas le droit. Enfin, j'ai le droit à 1 erreur, mais faut que je. Tout de suite, je me basse. Je me batte. Tu te rappelles de la compote que t'avais mangée en 2015? C'était quel goût? C'est exactement ça. Non mais ce jeu il est beau. Moi je suis en giga slow run. Ce jeu est très long. Et en plus ces derniers temps j'y joue genre 1 ou 2 fois max par semaine grand max. Donc ouais. J'ai oublié trop de trucs hein. Quand t'enchaînes, c'est plus facile. Mais moi j'avoue que ce jeu je l'enchaîne pas du tout. Je retentais ça. Cassant 2, le quimput des pieds. Le quiput. Ah, pas le quimput des pieds. Le quiput des pieds. Blade qui pue des pieds. Tu crois que les loups, ça pue des pieds? Des grands artistes comme Romeo Elvis, Suzanne, 47R, Gauvin, Cers et d'autres. Effectivement, des grands artistes à inventer tous ces noms, à vous, Gueno. Non mais on a compris, t'as inventé des noms. Ah, ça y est, j'ai pu réussir, je suis en décalé. Il va réussir à m'esquiver à chaque fois. C'est ballot. Je retente comme ça. Ah, il est tombé. Il va sauter. Il est tombé. Alors, t'es tombé. Ah, faut que je me casse tout de suite. J'ai esquivé trop tôt. J'ai plus de mana. C'est un souci. J'ai plus de vie. Putain, ça fait trop mal, ça.
pensais avoir le temps de mettre un coup, pas du tout. Ah ! Putain de blade ! Armure de blade, viens de blade, viens de blade ! On sait bien les armures là, parce qu'on va peut-être se changer un peu. C'est quoi la main de blade, c'est ça ? En vrai, elle est mieux que tout cette armure. Je vais être obligé de les garder, les mieux que tout. Et j'ai un petit bonus en physique, mais tellement léger. Et en sacré. On va être obligé de garder cette armure. Par contre, je vais enlever le casque. Peut-être pas déconner. Félicitations ! Merci beaucoup ! C'est chiant. Attends, un cookie. J'ai droit à plein de trucs, mais je vais pas l'utiliser. C'est l'Ox la meilleure. Oh, ça, on le merci savait. Beaucoup. Multi en deux temps, c'est horrible. Ouais, parce que j'arrive pas à voir le timing en plus. Ton épée, c'est... C'est dans mon top 3 des épées utilisées. Ah ouais. Tu la plantes au sol avec la masse. Avec masse dégâts. Tu la retires en faisant un énorme AE. D'accord, ça fait des dégâts de glace. Mais il faut combien de force pour l'utiliser? On va pas l'utiliser, moi. Peut-être que je vire quelques fois, quand même. Je me rappelle pas de sa tronche à l'armure... à l'armure, à l'épée. On va remonter... Ah, elle est peut-être là-dedans. J'ai des épées trop stylées, je peux pas les utiliser, mais elles sont trop stylées. Ah, les grands scorpions, ça fait quoi? Ça fait des dégâts de feu, ça? Ah non, pas du tout. Ah si, peut-être? Oui. Ah non, pas du tout. Oh, tant pis, je la trouve pas. J'en ai beaucoup trop. Petite collecte. J'en ai vendu au début. Ah, c'est espadon. Ça s'appelle espadon du chevalier, c'est ça? Ah, je pensais que ça s'appellerait espadon de blade. Espadon... Attaque lupine. Mince. Ah, oh, bon, tant pis. Ça va pas rester ensemble, je vais vous laisser. Salut Gweno! C'est sympa d'être passé en tout cas, des zoubis! Il est quelle heure? Mais en vrai, moi aussi, il faut que j'arrête. On va retourner voir Corinne, hein? On va retourner voir Corinne, ouais. Il est tout en haut. Je sais pas pourquoi je vais là. Ah bah, il pue là. Et c'est qui ça? Marchand nomade. Ah, c'est bon, il est plus sur la route. J'ai besoin d'aller le voir. Ah bah non, il est là-haut. Pas au trône. Je sais plus où c'était. Tout en haut. Elle est là, on va voir. Marchand nomade et la vieille. Ah ouais? Vu qu'il est plus... Ouais, d'accord. Il va ici? Ça a pas de sens. Corinne, c'est ma copine. Faut que je prenne le portail? Je comprends rien. Je comprends rien ce qu'il faut que je fasse, en vrai. Mais je peux descendre aussi. Je me suis jamais rendu compte. Le téléporteur, ok. J'aurais fait ici si j'ai tout looté. Oula, j'ai peur un peu.
Ok. Faut que je prenne le TP. Bah je prends le TP alors. Ah c'est le vendeur qui fait du violon. Voulez-vous vous TP un endroit chelou ? Tout à fait, j'ai plus rien à perdre. À part du temps. Qui est déjà pas mal. Bateau d'Altus, ok. Noble masque d'or. Mais comment tu te souviens de tout ça, quoi? Moi, ici, je suis venu il y a tellement longtemps. J'ai tué lui. Et puis après, il est revenu quand même. Salut! Pas de plus, nous nous retrouvons. J'ai place à ses côtés, je vous... comme vous pouvez le constater. Ne vous en faites pas. Je vous enseignerai toujours mes incantations. Mais nous devons faire en silence afin de ne pas perturber les réflexions du grand maître. Ah, c'est un maître, ça? Ah oui, moi, j'y mets un coup. Le maître n'interrompt jamais sa méditation. De mon côté, on signe précieusement ses paroles. J'interprète au mouvement de son doigt. Et bien que j'essaie... Bien que j'ai échoué, je sais qu'il s'agit de ma vocation. Putain, j'ai trop du mal à parler. Tout dépourvu du talent que je suis, l'ordre d'or m'a confié cette prestigieuse tâche de documentaliste. Faut acheter une incantation pour la suite de la quête. Quoi? Goum-le. Mais pourquoi il me demande même pas d'acheter une incantation? Il me dit même pas genre j'ai besoin d'argent ou je sais pas quoi. Ok. Acheter une avec du feu, tiens. Je crois que j'ai déjà acheté. Voilà. J'ai acheté une incantation. Bah tant pis sinon hein. T'as pas donné les brevières. J'ai donné un, tu m'as dit que je pouvais donner l'autre à la tortue. Du coup je vais le donner à la tortue. Parce que la tortue elle donne des sorts elle. Moi ça m'intéresse pas du tout les incantations, je n'ai rien à péter. Donc si tu me dis qu'il faut que je donne tous les brevières pour faire la quête du gars, ça me gonfle un peu j'avoue. Je préfère donner à la tortue. J'ai donné celui du d'or. Le bréviaire de l'ordre de l'or, je sais pas quoi, parce que lui il cherche le masque d'or donc c'est lié, mais l'autre, si je peux le donner à la tortue, je vais le donner à la tortue. Le bréviaire ne donne que des incantations. Mais la tortue elle donne des sorts. Et c'est quand moi j'ai des trucs pour les sorts, putain. En fait, vraiment, Elden Ring, il déteste les gens qui font des sorts dans Elden Ring. En tant que sorcier, t'as rien du tout. Il y a deux types de livres. J'aimerais bien voir l'autre. Bon, moi, je préfère donner à la tortue, en vrai, le bréviaire, de toute façon. C'est une tortue et que l'autre, il me saoule. Non, la tortue, bah oui. Je parie que je suis pas obligée de lui donner, parce que ça débloque juste des incantations, donc ça a rien à voir avec les quêtes. Surtout que je lui ai donné celui par rapport au masque d'or. L'autre, il porte un autre nom. Une pour les incantations et c'est même pour les sorts. Oui voilà, mais du coup je peux les donner à la tortue quoi. Ça change pas ce que je dis. Incantation relative à la quête de l'Enden. Bah de toute façon les incantations je n'utilise pas. Ça me saoule. En fait, je peux pas faire le jeu comme je veux, quoi. Puis 2 heures, je fais que ce qu'on me dit. Ça me saoule. J'aime plus où est la tortue.
dommage pour atteindre le guerrier, t'es obligé d'acheter ça. T'es obligé d'acheter une incantation, même si t'as 0 fois. Ah bon. D'accord. Ok. Bon, ça m'intéresse pas trop, j'avoue. J'ai pas envie de mettre des points en foi pour une quête secondaire à la con. C'est où le truc? C'est là, je crois. Je crois que c'est là. Je vais aller pour voir. Me demande des points d'intel, c'est de la merde. C'est pas une incantation alors? Oh, je me rappelle pas de ça. J'y étais allée. Oh merde, mais je sais plus où c'est. Où est-ce qu'il y a la tortue? J'ai oublié. Ça fait trop longtemps, peut-être là. Et Bifrost. Bifroid, c'est autre chose. Je sais plus où est la tortue, elle était dans le coin, il me semble, mais. Je sais plus du tout. J'ai oublié. Comment ça me fait râler? J'ai genre 12 d'intel, moi. Ouais, moi j'ai 7 de toute façon deux fois, donc quoi qu'il arrive, je pourrais pas. Voilà, je suis obligée de mettre des points. Putain, t'es en bas de la rive. Bah ouais! On sait que c'était ça, mais c'est pas ça. Yeta, peut-être? Ah oui, l'église des vœux. Ah merci! L'église des vœux, j'avais oublié. Je savais qu'il y avait vœux dedans, je savais plus ce que c'était. Greetings. Donne des deux doigts. Vas-y, n'est pas inhérente au monde. C'est qu'un artifice. Toutes choses peuvent s'unir. Je l'aime bien, elle. Jadis, Radagon se purifiait au moyen de rosée céleste, se repentir, sa belligérance et jura amour et fidélité à Renala. L'ordre de l'armement des destins de la lune s'unir. Mais j'ai déjà lu. Il l'a déjà dit, en fait. Je suis sûr qu'il l'a déjà dit. Ah, parlez! Ma foi est inébranlable. Le miracle qui imprègne ce lieu guérira à nouveau le monde. Oh, c'est trop beau. Cette fois, sa magnificence ne sera plus dilapidée en vain. Sans éclat, si vous ambitionnez de devenir dame d'Elden, j'espère que... Putain, je voulais juste passer... Elder Scroll. Bah ouais, c'est... Il y a plein de trucs qui vont penser à des Elder Scroll, ouais. Pour l'instant, sur plein de points en mieux. On verra le 6. Du miracle. Ouais, ça, il l'a déjà dit. Pas comme ça. Ah oui, c'était ultra cher, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Acheter le décret de régression. Nouvelle, ça demande 0 fois. Mais de toute façon, pour l'instant, personne m'a rien demandé. Enfin, je comprends pas en fait pourquoi je dois acheter ça. Vous appelez aussi elle comme Céleste. Célène, pardon. Yeta. Non, franchement, j'ai juste l'impression de suivre un tuto de quête et je déteste particulièrement ça. Dame Yeta. J'ai oublié où elle était. Eh ben on y va parce qu'on s'éclate aujourd'hui. Déjà à moins de bugs, c'est pas compliqué.
seul chemin, c'est la régression. Oui, mais de toute façon, pour le moment, j'ai rien à faire. Enfin, je veux dire, j'ai 1000 trucs à faire par rapport à d'autres trucs, donc... Enfin, on est obligé de faire tout en même temps, je sais pas, peut-être 5 minutes, non? J'ai l'impression qu'il faut que j'enchaîne tout maintenant, comme si ça pouvait pas attendre. En fait, j'ai pas vu. J'ai pris le portail, mais j'aurais pas dû. Comme d'hab. Je la vois pas, Damietta. Faut que j'aille plus loin. Voilà, donc merci. Est-ce que je peux prendre les TP? Voilà. Elle est où cette chouin? Elle est là. Ah, elle est loin. Je pensais que t'es juste à côté. Là, tu vas faire plus tard parce que tu vas me laisser inquiet. Je sais pas, tu me... dit qu'il faut que je fasse 1000 trucs depuis tout à l'heure. Et rien de tout ça me fait envie. Ah, faire un don de fruits. Bien, voilà, un fruit. Voilà, je lui ai donné... je lui ai donné une pêche, elle est contente. Allez, on se tire. Bon, il est temps de vous laisser, parce que je travaille dans 10 heures. Tac, 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 chillax. Au revoir la VOD, des bisous, bye bye.